citoyen ça qu'on passé un bon bout de temps à côtoyer et qui mourit assassiné, je tout le monde connaît, le 7 juillet est passé. Oui, bon, avant, faut me dire que alors, t'as appelé dans un premier temps saluer ce qu'on appelle les deux corps du président de la République. Il y a le corps biologique, bon, c'est ça, il est sacrifié, mutilé, humilié, dégradant, qui froissait la conscience universelle et la conscience nationale également. Mais il y a le corps national. Le corps national, c'est le corps immortel. Et c'est ça, nous, ouais. Et population, hein, et peuple haïtien, hein, dans la section communale, et dans les villes, dans les mairies, nous, ouais, y compris à l'international, dans la diaspora, et l'Afrique noire, nous avons un paquet d'événements qu'a fait, comme ça, il y a le corps immortel du président. Le corps immortel, c'est le corps politique. Le corps politique, en termes de projet, symbole, ça, le présenter. Rêve qui incarnait, qui portait inspiration, c'était une idée. Et là, Jovenel Moïse n'y passait. Et non, stade, côté des citoyens, parmi les hommes mortels, maintenant, il était normalement un symbole. Ce symbole-là, que moi, je crois que qui est important pour nous. Et le président lui-même l'a pas apprécié ça à côté de l'IA. Comme disait déjà François Mitterrand, côté l'IA, la suivre. Parce que après une vie, il y a la spiritualité, il y a tout ça. Pourquoi le président a entendu ça? Alors moi-même, d'arrêter et présenter condoléances moi déjà à la famille du président, Madame Moïse, à ses enfants, à ses compagnons, un monde qui était fait campagne avec lui, parce que le président avant de battre la politique, monde qui était dans la chambre de commerce avec lui, qui ne pouvait pas couler, étudiants qui étaient à l'université Kiskeya, en passant, moi-même, j'étais rencontrer le président Jovenel Moïse pour la première fois à l'université Kiskeya, à la faculté des sciences de l'éducation. Et moi, je crois qu'en pile monde, dans la presse, le président est des amis. Le président, ce n'est pas un monde qui était complexé. Il est des amis tout partout. Peu importe le monde qui a réglé le téléphone directement. Donc, c'est un monde qui était humble, qui était simple. Et qui croit tout, te sorti non en classe, ni pas de mitraille. Ça, c'est un bagage qui est fondamental. Chaque temps, le président dit, qu'est-ce que m'a fait pour rendre le peuple à service? Malheureusement, nous rendons compte tout, pendant tout le temps de pouvoir, te gagner, il y a un complot permanent pour dégrader sale image président. Alors que les gens qui ne connaissent ni le président Jovenel Moïse, c'est un homme de paix, c'est un homme de simplicité, c'est un monde qui te voulait travailler pour le pays, tout ça l'a fait comment pour rendre le pays à service. Donc là encore, nous voulons tout dans les villes de province, nous voyons qu'il y a un pile monde qui a mobilisé autour du président. Alors, député, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Nous souhaitons que nous n'avons pas fait acquis pour trahir la mémoire du président. Le président, c'est un monde qui a prêché la non-violence dans toute sa affaire. Parce que moi-même, tout le temps, pendant 6 mois que se passe là. Moi, je crois tout que nous avons tout une mobilisation de la presse nationale et la presse internationale. Il faut que nous saluions ça. Parce que tout, à côté de l'enquête judiciaire, à côté de l'enquête policière, l'enquête journalistique souvent est révélatrice pour conforter l'enquête judiciaire. Je souhaitais que la presse continue à faire travail, poser question autour de l'assassinat du président. On ne doit écarter aucune piste, parce que quand on recherche la vérité, il faut croiser les différents éléments pour joindre la vérité avec grandeur. Donc, sur point ça, nous saluons le travail qu'a fait dans la presse, notre agent et questionnement des citoyens qu'ils soient à côté de l'OEA, parce que crime ça, il froisse, il consterne la conscience du monde civilisé. Nos frères africains, nous connaissons que tout ça, ils font, nous, et au Sénégal, et qui ont bâillé, côté que vous trouvez le lien entre l'Haïti et l'Afrique, de l'Afrique, le berceau de la civilisation. Donc ça, en fait, c'est un bâillé fondamental. De notre côté, nous avons effort qu'a fait du côté du gouvernement américain. Il ne faut pas sous-estimer ça. Parce qu'il y a le directeur de sécurité, le Conseil national de sécurité des États-Unis qui fait une interview tous les jours, mais c'est Gonzalez. Il n'a pas pris que FBI est mobilisé, Homeland Security mobilisé, département de justice américain mobilisé, et même le tribunal en Floride qui mobilisé pour faire avancer l'enquête. Le gouvernement colombien également, tout le cap fournit des données. Interpol qui est mobilisé,
la police nationale qui a fait un travail avec moi pour nous faire lumière autour de l'assassinat du président de la République et tentative d'assassinat de la première dame. Nous croyons que les crimes sont des crimes qui mettent en péril la sécurité nationale. Ils mettent en péril la sécurité régionale. Parce que assassiner un président de la République, ce n'est pas un message affaire. Nous avons tout, d'après donné Cap Bayo par la police, nous avons eu la doxe de Colombie, nous passé Panama, nous passé par la République Dominicaine. Donc, nous avons eu un bagage, ça nous a fait une situation de terroriste international. C'est ça qui est pour qualifier, qui vient attenter au président de la République. Donc, là encore, nous avons un décret là, qui est par nous, le décret du 31 décembre, révisant le décret du 25 décembre 2020 sur le renforcement de la sécurité nationale. Mais qualifier ça déjà comme un acte terroriste. Alors là encore, pour la police qui a dit assaillant, mais son acte terroriste qu'on peut gagner. D'après la loi d'Haïti, d'après le décret de 2020, il qualifie ça son acte terroriste. Donc, moi, je crois que très important, il y a un effort constant qu'il a fait pour assassiner le caractère président depuis plus de 4 ans. Il y a un paquet de mentis soumis. Parce que mon qui parle contre Jovenel Moïse, c'est quelqu'un qui vient de la paysannerie. Le président n'a pas de haine pour personne. C'est pour présenter un problème avec la misère. Parce que moi, je confronte, j'ai rencontré le président presque souvent. Je ne pas dire chaque jour, mais souvent rencontrer. Le président, c'est ça le dégain dans la tête. Comment pour le faire pour améliorer les conditions de la population? Donc, moi, je crois que le président, c'était un homme de conviction, le président Jovenel Moïse. Un homme de conviction, il n'a pas trahi d'Eli parce que lui-même, toujours dit, il est sorti dans la situation. Il fait tête, effectivement. Mais lui, il doit rendre pays à service parce qu'il est sorti dans l'école nationale. Il fait lycée et puis en après, donc c'est un fils digne d'Haïti, mais un fils digne du Grand Nord d'Haïti. Le rêve de Christophe, il porte la tête lui, chaque jour. Misère population, chaque jour, moins population. Parfois, moi, président pleurer parce que il n'y a pas faire pour la population. Il y a pas menti sur le peuple là, parce que vous détournez le peuple là de lui. Parce que moi, je crois que c'est un homme. Mais Jovenel Moïse, également, c'est un exemple de dignité face à l'humiliation. C'est un modèle de lucidité face à l'intolérance. C'est un patriote exemplaire prenant le pardon pour s'opposer à la haine. Un peu le monde qui est gombé, la haine, après son président, haine sociale. Le président Moïse est dépassé par ça. À propos de la réconciliation, il s'est offert un holocauste pour l'intelligence de l'État moderne. Parce que le président Moïse, il a abordé des questions en constitution, et puis le monde va connaître le budget du pays, son groupe, mais qui prennent en otage. Le président de M. Bagayo est équilibré. Ce n'est pas pour lui parce qu'il va de se bénéficier. Mais nous rendons compte que le pays, à côté de la plane de l'avant, faudrait-il que bon bagaille qu'il fait. Jovenel Moïse également, c'était une volonté au service des idéaux de progrès. Ouais, il a la foi d'une nation réconciliée avec lui-même. Un message humaniste qu'elle a porté. Nous l'a suivi au-delà de sa personne biologique qui n'est pas l'intérêt aujourd'hui. Mais c'était un défenseur également. Des grands projets. Nous sommes que le monde civilisé, les gens qui ont une conscience forte de la nation, de l'État, sont obligés de comprendre que comme ça, Jovenel Moïse, ce n'est pas Dominique Dabtravaille pour tête. Jovenel Moïse, ça peut l'affronter aux grands événements. Ça veut dire les grands événements font les grands hommes. Donc nous croyons que Jovenel, c'était un homme ça. Il était témoin privilégié également du fonctionnement de la société fondée sous la justice sociale. Et la discrimination, le mensonge. Mais au péril de sa vie, j'ai pensé que les opprimés, mon oublié, nous dit gros orteils, mon ande, il n'y a pas rien de penser que mon saïe, il faut faire quelque chose pour lui. À la dimension de Dimas estimé, le président, son j'ai bon l'air, bon, alors vous pouvez savoir, il dit bon, doré, écoutez, ouais, le président ici mettait faire toute partie ça dans la Tibonite, mais bon, partie pour vous faire, il faut faire un gens pour porter de l'eau pour les paysans. Le président Jovenel Moïse, c'était la paysannerie, c'est chaque jour, pas bon jour, moi, mon côté président, pour ne pas appeler les bons projets. Quelque part, qui s'est fait dans telle zone pour voter de l'eau, pour voter route, pour faire irrigation pour mon nom. C'était ça le nom. C'était un visionnaire impénitent. Il témoignait au monde civilisé, tout le monde qui a lutté pour libérer le peuple, côté pour aller bas ou la voie. Parce que sacrifier Jovenel Moïse, mais ce n'est pas sacrifier rêve-là. Parce que ce rêve-là, nous, c'est le corps national. Nous, un paquet de monde dans le pays, il y a là qui embrasse ces causes-là. Il était bon paquet de manipuler le peuple là pour pas faire comprendre le président pendant plus de 4 ans. Bah, on paquet de menti sous président. Le président, c'est un homme de grands dossiers. Il a abordé les grands projets. Je me rappelle que la dernière fois, le président fait un groupe taïwanais qui a fait un travail pour voir comment il a fait un projet de transbordement au Mall Saint-Nicolas.
pour te permettre pays à te capoconner un carrefour caribéen du commerce international. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait là aujourd'hui, où gagne tout commerce qui a fait passer de l'Asie, de Chine pour parler de résumé, mais c'est là où passé. Haïti qui a participé. On doit utiliser notre géographie pour bénéficier. Jovenel, c'était ça. En pile, on va comprendre le président, on va pas être menti, retenir des médailles minables, qui va faire honneur, même à grandir avec même mon voisin. Donc, moi, je crois que Jovenel, c'était un dialogue permanent avec l'histoire, pour tout ça qu'il a fait. Il dialoguait avec l'histoire. Moi, je me rappelle, même moi, le président, de la Fond Bagalizidoé, comment pensait l'histoire, juger sous ça, l'homme. C'était ça. Il était dans constante permanence, c'était une permanence relationnée avec l'histoire. Au péril de sa vie, il a attaqué les dossiers sensibles, empêchant le développement national et l'épanouissement du peuple haïtien. Donc, moi, je crois qu'un grand homme de l'histoire, c'est ça. C'est ouais, la nation avec grand N, côté tout pour qu'on réunit ensemble. Au-delà des clivages, des groupes de classe, etc. Il s'était dépassé par ça. Le président Moïse Moïse n'était pas un raciste. C'était pas un noiriste. Mais il voit la nation avec moun qui plusieurs couleurs, etc. Tout le monde qui a de bonne volonté, qui pense que le pays a capable de l'avant. Je vais épouser cause peuple là. Oui, alors. Oui, docteur Richard Doré. Son, en oui, description, nous a dit qu'il est très loin de perception que Mounio a gagné de président Jovenel Moïse pendant l'étape vive, pendant qu'il était sous pouvoir. Qui ça qui expliquait, qui ça qui t'a empêché que Imaï Sayo nous t'ait venu de son vivant? Mais. Le problème, moi, ça gagne, c'est que vous savez qu'il y a des groupes d'intérêt dans cette société. Et justement, Jovenel Moïse, convaincu de sa mission historique, refusait que les destins nationaux soient pris en otage par des groupes d'intérêt. Et les groupes d'intérêt qui gagnent gros mal l'État, qui prend l'État pour vous, les budgets publics là pour voter, des trois nègres, comprennent si vous pouvez prendre comme budget, passer avec des trois commissions dans le Parlement, les grands budgets, le président n'est pas d'accord ça. Vous connaissez, mettez moyen, grand moyen d'ailleurs. Probablement, le président était sous-estimé et les forces qui étaient en présence. Donc, même nous croyons que je dis à la population, ni compte pas grand côté dans le pays, il n'y a pas grand petit projet. Le président n'a pas de aide internationale. Avec les mêmes ressources de la nation, à la collaboration avec ses ministres, il fait ça le capable. Et nous avons l'impression que si le président Jovenel Moïse n'a pas de grand moyen qui était avant, nous avons pris un merveille qui a fait dans le pays. Donc, parce que le président, c'est moi-même manger souvent le président, d'ailleurs, manger même bagage, tout le monde, il est doré, il mange avec. Et là, ça, pour comprendre, donc, qu'est-ce qu'il a voulu pour le pays, qu'est-ce qu'il fait avec les 5 moyens. Quand il m'a dit le président, il menteur, son criminel. Et bien content, le homme de sécurité vient dans le pays, il a dit qu'il a remonté les filières, amis. La lumière va être faite sur ces questions-là. Parce que le monde a dit, alors Jovenel Moïse, son nez qui s'utilise tout ça, elle s'utilise tout ça, elle retourne dans le nord-ouest, la Jéba, elle nous le donne, pour pas accident de la politique. Il pensait que s'il vient, c'est l'histoire qui a fait appel à lui. Il doit faire quelque chose pour la population, pour les paysans, pour les gens, les déshérités de notre société. N'oubliez pas. Parce que vous remarquez que le pays Haïti, il y a plus que 200 ans, c'était l'appel des Antilles. Il doit faire quelque chose. Le président n'a pas de problème avec Mouni, etc. Même les opposants, le président dit, bon, Doré, next, ça, il ne va pas comprendre. Ils n'ont pas compris le sens de l'histoire. Parce que si on te compte cette histoire, il t'a venu. Le président n'a pas gagné pour personne. Et même ses opposants les plus farouches, son problème à lui, c'était faire quelque chose pour le pays. Surtout pour la paysannerie. Surtout pour les gens qui sont écartés par la société, nous, les gros orteils, nous, d'ailleurs, etc. Et dans un discours célèbre qu'il a fait, moi-même, j'ai essayé de décourager pour faire un discours, ça, je suis ça, mais j'ai fait quand même. Il dit, que c'était en octobre 2018, il y a le maître du système, les gardiens du système et les victimes du système. Bon, c'est que ce sont des discours historiques, côté que le président essaie de camper. Mais vous connaissez que dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours un homme qui est compris. Et nous composer des actions que en plus là dans le monde de ses contemporains pas de comprendre. Mais après il y a l'histoire des grands Achimandé de recul n'a pas comprendre que Jovenel Moïse te gagne un message qui devait porter. Et ce message là moi quoi que le pape mourir avec Jovenel Moïse et la mort physique comme j'ai dit tantôt, il y a les deux corps du président, le corps immortel, c'est son projet politique et son rêve, nous la population embrassée là. Et puis il y a le corps biologique que on va enterrer vendredi prochain. Mais rêve ça, projet d'ailleurs, le président déjà te dit que l'idée ne faut pas mourir. L'idée ne pas mourir. Il y a beaucoup de monde dans la population, y compris même monde qui n'est pas prêt avec les qui viennent comprendre aujourd'hui à Capine, renforcer le mouvement. Parce que le pays n'a pas qu'à côté de l'IA, il faut payer aller de l'avant.
pas saluer famille présidentielle là dans début interview ou dit Martine Moïse étant donné gon débat qui a fait là suite à aux notes Martine mettait dehors sous label bureau première dame non pour où Martine Moïse c'est un ancien première dame. Effectivement, au regard de la loi, le décret sur le palais, le décret qui a été publié par le président Martelly, je crois, le 6 janvier 2016, bon, malheureusement, ça n'a pas été mis en place. Et avant, c'est le président Buvet qui a commencé à mettre en œuvre le décret. Bon, on est en phase de next premier dame. Bon, c'était attaché par rapport au privilège de son mari. Le mari n'existe plus, la fonction, c'est l'ex premier dame. Il y a des questions sur ça, il y a des doutes sur ça. Comment ça va lier employé par les nationaux? Il y a toujours, probablement, il y a toujours en bas supervision pénal et secrétaire général. Et c'est ça, sur l'administratif. Dites-vous pas, dites-vous pas. C'est un coup dans palais national. Il y a la présidence comme corpus institutionnel, il y a le président de la République qui est un organe. Et la loi sur le palais, et bon, malheureusement, votre serviteur, à mon retour de Paris, nous avons travaillé sur le texte beaucoup, parce qu'avant, il n'y avait pas un texte sur la présidence, et régissant la présidence de la République. Donc, il y a une institution, la présidence est là, il y a la permanence est assurée par le secrétaire général de la présidence, et c'est lui qui est en charge actuellement de la présidence, pas le président, non, la présidence des institutions. Il a dit un peu l'employé qui travaille, etc., les matériels de l'État qu'il a, c'est sous sa garde. Eh bien, du courage, Guichard, donc, nous là pour vendredi et au Cap-Haïtien. Mais oui, merci. Merci beaucoup. Allô, et suivez son père. Oui. Allô, Guichard? Oui, moi là. Oui. Nous là pour vendredi 23, rendez-vous tête droite au Cap-Haïtien. Au Cap-Haïtien, oui. Fonal rend nos derniers hommages à président. C'est un homme de l'histoire, un acteur de l'histoire, de quoi elle méritait ça. Et encore une fois, par rapport à un message que le député Alfredo Voila nous demandait pour tout le monde qui est au Cap-Haïtien. Et moi-même, fréquent le président tout le temps, dans la campagne comme conseiller stratégique, comme conseiller et c'est un homme de paix. Souhaiter que toute situation, toute disposition prenne pour le président aller en paix, côté de aller en son dernier jour. Et c'est ça, moi, c'est le souhaiter tout. Et que, ouais, tout, et même pour ma première, Madame Moïse dit pas d'accord et comme l'État dépense l'environnement, même que le président a fait ça tout. Le président Jovenel Moïse, c'est un homme qui était très exigeant sur les ressources publiques. Moi-même, quoi que là, c'est une volonté que moi-même m'apprécie. Parce que moi, j'ai dit tout le monde qui a dit des millions. Moi-même, quand j'étais là, je me dis, mais écoutez, Jovenel Moïse que j'ai connu, pas tape tous les bails pour ça. Vous comprenez? Et moi, je félicite. Et d'accord. À Mme Moïse, courage, mon frère. Refuser et l'appui okay. Public pour les donc, amis, auditeurs, nous avons recevoir Guichard Doré, qui a fait parler avec nous. Et donc, Guichard, avant d'aller. Et mis à part de pour mettre le même côté avec Papal, est-ce que t'es partagé avec ou dernière volonté, est-ce que t'es une chance, partager ça ensemble avec vous? Et allô? Oui, allô. Mis à part oui. De mettre le même côté avec Papal au cap s'il mourit, est-ce que t'es gagné d'autres volontés, ça les dernières volontés et surtout dernier après l'amour, l'été partagé qui t'a fait, l'été partagé ça avant? Oui, dernière volonté, c'est en fondation président demandé mon travail, sous lui, alors moi personnellement, nous avons déjà été publié dans le moniteur, parce que le président pensait que on devait faire un bagage pour la jeune génération en matière de démocratie, des politiques publiques. Et là encore, il y a une fondation qui a été publiée au Moniteur, je crois, au mois de mai, si ma mémoire est bonne, et Fondation nationale pour la démocratie et les études stratégiques. Parce que j'ai un problème que nous constatons pendant tout un fait au pouvoir, c'est que il manquait des spécialistes qui pourraient intervenir. Bob Soka, nous comptons ça, il y a 25 ans de journalistes. Parfois, il y a des questions pour un petit besoin de monde pour venir. Son politique, son obligé de venir parler, qui vient dire n'importe quoi sur ce bagage-là, il n'y a pas même compris le bail. Donc, le président, tu es conscient de ça. Il demande moins pour le travail. Et là encore, moi-même, nous recommandons de mettre la fondation ça sous pied. Il va le travailler sur les questions de démocratie et les études stratégiques.
c'est une calcule pas joué à question de sécurité. Alors, ouais, donc tout ce qui englobe le développement national globalement, en termes d'idées de progrès, pour que des centres de débats, des discussions, moi, c'est ça, je me suis confié, moi, et pendant 3-4 derniers mois, on a consacré à ça, pour nous recommander qu'on a fait ça. Pour moi-même, c'est ça, le débat, moi, et là, encore une fois, et je me dis que, sous point ça, nous pas fait marche arrière, souvent, nous avons continué. Et c'est ça, nous avons parlé, en termes d'idées, moi-même, passé de volonté. Bon, je ne sais pas à l'autre monde, mais ça, encore, je crois que j'étais très, très intéressé à ça, et pour que, déjà, ça ne doit pas le faire avec le président, tout, et c'est peut-être rédiger mes mots à lui. Parce que M. Tefté n'a pas sorti dans la politique, il pensait à travers la fondation, toute salle des projets, malheureusement, et bon ensemble d'interviews pour nous faire avec lui, pour nous recommander qu'il y ait malheureusement. Mais ça, on a continué, parce que.